Onset. Dans tout ce plateau, très chers téléspectateurs, nous sommes ici au domicile de l'actrice camerounaise Solange Odion, celle-là qu'on ne présente plus dans le visage cinématographique camerounais et africain, oui, parce que c'est une actrice qui a fait des grandes productions avec des acteurs nigériens, oui, également, avec Vincent Bataquin qui a été sacré meilleur acteur camerounais 2019 au Canada. Bonsoir Solange. Bonsoir Stéphane. Bonne année 2019. Merci. Alors, ça fait très longtemps, on n'a pas vu Solange dans une production. Qu'est-ce que se passe-t-il réellement? Oh non, non, non. Je travaille. J'ai envie, je vais faire One Minute to Midnight. Ça ne fait même pas deux semaines, j'ai fini. Je viens de faire Our Way to God. Et demain, je vais commencer avec Seven Bango. Donc, je travaille toujours. Bon, c'est vrai que c'est encore derrière les scènes. Donc, après, on va faire les publicités et tout pour que le public soit au courant de ce qui se passe. Alors, Céline Mango, il faut rappeler que c'est une production de votre amie, qui est aussi actrice, Stéphanie Thiom. Thiom, qui a la maison de production. Yes, Amy, MB Production. Amy Production. Je joue le rôle d'une... Donc, il y a une famille pleine de filles... Et le père n'arrive pas à s'en occuper de filles qui tombent enceintes un peu. Bon, c'est une très bonne... Mais ça ne sera pas un rôle méchant comme la... Non, pas du tout méchant, pas du tout. Vraiment gentil, mère. Donc, on verra. Beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges, beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude d'incarner. Beaucoup de challenges. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs que vous avez joué le rôle phare du film Little Cindy. Mm-hmm. Avec Libota McDonald. Alors parlez-nous un peu de votre personnage dans ce film. Bon, c'est une femme qui, je peux dire une femme à deux visages, une femme qui a une mari, une belle famille, mais qui construit une autre vie ailleurs avec un autre. Elle a envoyé l'homme, on dit en bain, et puis elle envoie l'argent et compte faire une autre famille. Donc, avec le mari actuel, elle est là pour prendre de l'argent. Elle a une fille qui n'est pas de lui. Donc, elle est en train de planifier comment fuir avec sa fille et partir retrouver son amant, quoi. Donc, c'était, on dit, elle est là pour l'argent, mais son vrai amour était ailleurs. You know, we are here to celebrate our daughter. That's why we said, you know, together, let us join the family to celebrate. Hey, Uncle Joe. Hey, my boy. Come on, you look this big. Come on, boy. Cindy. You're asking me where is Cindy? Cindy's not here. Cindy's supposed to be upstairs. She's not waiting for me. I need you to come up with me. Please. So you want me to understand that you couldn't take care of a seven-year-old? Look for her everywhere. She's just nowhere to be found. I don't care. All I want is my daughter. I got visitors downstairs waiting for her. Et quel a été l'impact de ce film après la projection à Bouya, Kumba, un peu partout dans les grandes villes du Cameroun? Les gens ont beaucoup apprécié. Vraiment, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un film qui s'est passé en une journée. Bon, c'était vraiment quelque chose de différent. En plus aussi, beaucoup de gens se demandent, mais on peut être dans une famille, tu as un enfant, mais ce n'est pas de vous. Bon, c'était une histoire, très belle histoire, ça a touché beaucoup de gens. Oui. The winner is Vincent Bataquin. Déjà, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle que votre producteur soit sacré meilleur acteur camerounais au Canada? Bon, c'est quelque chose que j'ai vécu en direct. J'étais là quand il était, on a dit Bataquin. Oh non, non, j'étais vraiment fière de lui. Et félicitations encore pour toute l'équipe La Cola du Lion. Pas question, tu entends? Ouf. Oui, beaucoup de gens ont apprécié Ngonda,
Ngonda, une fille qui vraiment, c'est une fille, on ne peut pas dire, il y a beaucoup de filles qui, c'est les, notre histoire, nous les femmes. Ça existe, c'est réel et les filles, même jusqu'à aujourd'hui, m'apprécient, m'écrivent, mais Ngonda, tu as bien joué, c'est les choses qui arrivent chaque jour dans la vie. Donc, c'était quelque chose que tu peux facilement te voir dans Ngonda. Mm-hmm. Donc, tu vois, moi, je suis Ngonda et il y a beaucoup de Ngonda dehors. Mm-hmm. Pas que c'était une histoire vraiment pour vraiment insulter les femmes, excusez-moi mm-hmm. pour dire ça, mais ça arrive. Donc, c'était un message positif mm-hmm. et les gens ont beaucoup apprécié et m'ont félicité. Donc, ça m'a encouragé, pourquoi pas? Donc ça vous encourage de travailler par exemple avec Mitumba, Manala, oh, pourquoi pas. Oui. Walou ici à Douala, au Cameroun même. Bien sûr, pourquoi pas. Wow. Parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent que vous êtes une actrice d'expression anglaise, mais vous avez réussi à interpréter un rôle en français. C'était ma première fois, c'était un peu difficile parce que ce n'est pas comme le français que je mais le français tous les jours. Qu'en est-il de votre projet à vous trois, Solange Odion, Cindy Emadé, Stéphanie Toum? Parce qu'il y a cela quelques mois, on va le dire ainsi, vous avez envie de faire un projet à trois, un blockbuster film. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Pour le moment, chacun est en train de faire un projet solo. Il y a d'abord Cindy qui avait fait Man for the Weekend, qui est aussi une très belle réussite. Et puis, il y a Stéphanie qui va faire Seven Bango demain. Et après Stéphanie, j'avais décidé de faire un petit truc de film pour le festival. Et peut-être après tout ça, chacun a envie d'exploiter exploiter ses histoires et tout. Peut-être bien après ça, on verra. D'accord, et on va également parler du festival CAMIV qui, la quatrième édition, n'aura pas lieu cette année, malheureusement. Et Abou Guibet, le CEO, que tu connais très bien, a renvoyé ça pour l'année prochaine, pour mieux se préparer mm-hmm. et venir vraiment en grand. Et voilà, est-ce possible de voir Solange à la prochaine édition? Parce qu'on n'a jamais vu Solange au CAMIV. Oh, bien sûr, prochaine édition, c'est malheureusement l'année aussi, on était vraiment, nous tous, on essayait de voir comment on peut amener CAMIV à un autre niveau avec mon grand frère Agbon Gilbert, qui est aussi mon ami. Malheureusement, c'est par rapport à les choses qui arrivent au sud-ouest. Et Gilbert croit beaucoup à tout ce qu'il peut faire sud-ouest, et le côté sud-ouest, et il n'a pas voulu apporter cette histoire de CAMIV à Douala. Bon, on dit, nous, on verra peut-être l'année prochaine si tout va bien, CAMIV va se reprendre, et puis bien sûr, Solange Odion sera là. En live. Alors, on espère rendez-vous en avril 2020 à Boya pour l'édition 4 du festival CAMIV, notamment mm-hmm. avec la présence de Solange Odion. Yes. En quelques mois, je vais aussi commencer un petit truc dans le cinéma, donc produit. Court-métrage. On a un projet, ça, les séries et puis les short films pour les festivals. Bon, on a. 4 short films qu'on doit commencer avec parce que vraiment bientôt c'est l'heure pour le festival, il faut gagner en temps aussi et après on va continuer avec des courts-métrages et des séries. Ok, I would like to do this in English. I've been talking in French, so I would like to thank all of you who've been supporting us throughout this journey, who've been supporting me in particular. I just want to say thank you so much for all your feedbacks, positive feedbacks, or even the critics. Thank you, because that makes me a better actress, a better actor, rather. I just want to say thank you so much, and please don't give up on us. I want to also beg you to try to support our own. We do good films, which are appreciated worldwide. We would like to have you all connect with us. We'd like to have you all support us. I mean, come out when we have like movie premieres, even on our social media.
media platforms. We would like you to follow, I mean, like, get the latest news and gist about us on our Facebook pages, Instagram, and Twitter. So we just want you people to, I mean, just be there for us. Why not? Join us. We can co-produce, you know? It's a win-win thing for all of us, because when it works for us, it's going to work for you too. The movie industry is on the takeoff. I mean, I always say it's about time. So it is better you join us now. Things have changed. And thank you so much. Keep supporting us. We love you. I love you all. Alors, bonne chance à toi, Solange Ojan, et beaucoup de succès. Beaucoup de gros chèques également dans ta carrière. Merci voilà. Beaucoup. Pourquoi pas être notre Kim Kardashian au Cameroun, oh, yes. Voilà, du cinéma camerounais, parce que tu as vraiment tout ce qui va avec la beauté, le talent, l'intelligence. Voilà. Thank you so much. C'était le focus porté sur l'actrice camerounaise Solange Ojan. Voilà, et sur ce, très chers téléspectateurs, nous mettons un terme à ce magazine de 26 minutes qui décrit et booste le vrai visage du cinéma camerounais, en particulier africain, dans son ensemble. Rendez-vous samedi prochain à 20h sur les antennes de la CIA TV avec la suite des coulisses du tournage du film Broken, réalisé par Amaury Nwenebon, produit par Blue Rain Entertainment. Bye bye.